Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver en ce jour du 14 juillet 2024. Le 14 juillet, fête nationale française, donc je me suis dit, allez, on va sortir les petits accessoires bleu, blanc, rouge pour marquer le coup. Parce que bon, voilà, le make-up bleu, blanc, rouge, comme ça, je le fais pas. Voilà, ça fait un peu trop patriote et c'est pas mon. Voilà, c'est pas mon kiff, je vous avoue. Mais voilà, donc heureusement qu'il y a la fête, la Coupe d'Europe de foot, puisque sinon j'aurais jamais trouvé de drapeau, de choses comme ça. Et puis bon, il faut bien qu'ils vendent leur stock, hein, parce que bon, apparemment on a été un petit peu éliminés, donc voilà, enfin bon, bref. On va parler foot, on s'en fout du foot. Du coup, voilà, donc je me suis dit, allez, on va trouver des petits accessoires pour marquer le coup, parce que, ben, voilà, quand même, c'est le 14 juillet, les enfants, c'est le 14 juillet, ça marque un tournant de l'histoire en France, donc voilà, enfin bon, bref, on va pas faire de cours, on s'en fout, en plus je suis nulle en histoire, donc voilà. Si on est là aujourd'hui, c'est surtout parce que je dois vous faire un unboxing partenariat. Ben oui, vous vous rappelez, j'avais reçu plusieurs toiles en partenariat avec Auralois. Et donc j'ai ici un gros carton, voilà, dans lequel il y a encore deux toiles, si je ne m'abuse. Donc on va tirer au sort, voilà, sans que je regarde, je vais enlever le papier qui est au-dessus. Et je vais prendre la première toile que je touche. Et on va l'unboxer ensemble, mes petites licornes. Voilà, je suis trop contente parce que là, ça fait un petit moment que j'attendais pour pouvoir la faire. Alors attendez, je pousse un peu parce que j'ai deux, trois autres trucs sur la table. Et surtout, plein de poils de chat sur cette table, ça ne fait aucun sens. Les filles, hein, franchement. Hein. En plus, c'est une table en verre noir. Donc, en bref, elle attire tous les poils qui passent. Donc j'enlève le papier sans regarder. Je vous regarde vous, parce que vous êtes beau. Ah, je touche une toile. Bah voilà, ça va être celle-là. Oh là là, je m'en rends compte. Oh, elle est un peu grande. Comme ma planète. Je vais dire autre chose. Pas à la télé, pas sur YouTube. Une grande toile. Punaise, c'est laquelle? Oh, je l'adore. Je la voulais trop, celle-là. Je la voulais trop. Ça faisait tellement longtemps que je la voulais. Et je suis trop contente de l'avoir eue. Et je suis trop contente de vous la montrer. Oh, alors, celle-là, je la kiffe trop. Ah, ça fait tellement longtemps que je les ai reçues, les toiles, que je me rappelle même plus ce que j'avais choisi. Je me rappelle même plus les toiles que j'ai reçues pour le Patenaya. Je me rappelle plus les toiles que j'avais reçues pour le Patenaya. Si on arrive tous les R, ça commence à être chelou. Bon, bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je vais pas vous la montrer tout de suite, hein, je vais vous la montrer au fur et à mesure, mais bon, vous allez sûrement voir le titre. Essayez de pas lire les titres. Hein. Voilà, donc déjà, c'est une grande toile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une grande toile. Quelle taille fait-elle? 60 par 60. Oh, ça va, en fait. Non, franchement, ça va. C'est équivalent à 50 par 70, finalement, si on regarde. Donc ça me va, c'est une toile tout à fait correcte. Voilà, attendez, je la pousse quand même. Mais j'ai l'impression que le carton est vachement plus long que les autres. C'est ça qui m'a induit en erreur. Je me suis dit, wow, la taille de cette toile, elle va être gigantesque. Mais non. Alors, on le quitte déjà. Le kit. Je regarde en même temps dehors. J'aime bien parce que je regarde les gens passer. Non, le petit entonnoir. On a des petits. Oui, j'aime. Oh, je l'avais pas celle-là. Elle est trop belle. J'adore. Je crois que j'aime le truc. Ah oui, non, c'est le petit. Oh, si, il y a des stickers. On aime les stickers. Allez. Et coincette. Ah, il est coincette. Ah non, ça y est, il est plus coincette. J'aime bien ouvrir les trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, je vais pas y arriver, hein. Il y a un truc que je veux sortir. Oh, un truc à gratter. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de truc à gratter. Comment on fait pour gratter? Allez, je gratte. Please, try again. Ok. Je resserrai plus tard. Oh, ils sont trop beaux, ceux-là, je les avais pas non plus. C'est des nouveaux, hein. Je les ai jamais vus, ceux-là, encore. Ils sont trop jolis, j'adore les stickers. Il faut absolument que je fasse mon classeur, comme j'avais dit, et que je colle les stickers dessus, parce que ben, j'en ai pas mal à coller, en fait. Donc j'aimerais bien m'y mettre, mais j'ai jamais le temps, en fait. Je fais trop d'autres choses à côté.
plus les vidéos, plus voilà. Puis il faut quand même que je trouve un peu de temps à faire, pour faire du diamant painting aussi, parce que sinon... Des fois, je me rends compte que je passe plus de temps à faire des vidéos que à faire du diamant painting, évidemment, vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, donc le petit kit de base avec, je ne vous montre pas le tout, il y a du washi tape aussi, il y a des multiplaceurs, des petites protections pour les doigts, etc. Et puis le petit toto noir. Le toto noir, alors... Ah, oh, les couleurs sont sublimes. J'ai tiré une tête, là. Bon, diamant carré, bien évidemment. Diamant carré avec du bleu, du mauve. Voilà, c'est les couleurs dominantes. C'est tout à fait ce que j'adore comme genre de couleur, on est d'accord. Et on a de magnifiques AB. Combien y a-t-il de AB? Oh, ouais. Oh, je la regarde, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est trop belle. Nous avons 4 AB, c'est très bien. Et oh là là, puis cette... je vous montre après. Voilà, 4 AB, je vais vous montrer c'est quoi les AB. Puis on regardera ensemble où on les place, où ils sont placés, pour mettre en valeur la toile. Ça veut pas. Ah, c'est pour ici. Ah. Donc, vous allez encore dire que je vous fais marrer, mais écoute, tant mieux. Ça vous fait marrer de me regarder galérer, hein, c'est ça. Hein. Alors, on a du 5200, c'est la base. Celui-là, on en a à chaque fois que... Je ne sais plus parler. Hey, c'est samedi matin, il est 10h. Enfin, il est dimanche matin. Ouais, bah vous avez compris, je la tourne avant la vidéo. Et si je ne veux pas la tourner et puis la publier à 9h direct, ça serait un peu chelou. Bref, mais voilà. Donc, c'est la fête nationale, les enfants. Nous sommes le 14 juillet, le dimanche. Et il est 9h. Donc, 5200, j'ai envie de dire à chaque fois, à chaque toile, on en a quasiment. Quasiment à chaque toile. Et je trouve qu'il est indispensable, il est vraiment trop beau celui-là. Il met vraiment en relief, il illumine le truc, quoi, en fait. Donc voilà, on a du 995, c'est magnifique. C'est quoi le délire? Eh, hey, tu faisais moi la maligne quand je t'ai emmené chez le VTO hier, toi, hein? Ah oui, alors là, c'est pris un thermomètre là où je pense, je vais venir, ça lui a pas plu des masses. Hein. Bref. Voilà, du bleu, bah bleu, blanc, rouge. Hein. Et bleu, blanc, il manque plus que le rouge, les enfants. On est bien, mais il n'y a pas de rouge dans cette toile. Donc voilà. Ici, on a du 211, qui est sublime aussi, j'adore. C'est une de mes couleurs préférées. Bah, vous vous doutez bien, forcément. Et du 208. Ouais, toute la gamme des 208, 210, 211, là, je les adore trop. Ils sont trop, trop beaux. Ils sont magnifiques. Voilà, donc les 4 couleurs. Quatre couleurs absolument sublimes. Et puis là, j'en ai sorti deux au pif. Du 38-44 et du 38-42. Voilà, bah, on est vraiment dans les couleurs bleu, blanc, rouge. Voilà, trop beau. J'adore. Franchement, cette toile... je l'adore. Je vais vous la montrer parce que vous êtes sûrement en train de vous dire on est à couche, là. Abrège, meuf, abrège. Bon, bah, ok, d'accord. Ok, alors, je pousse. Et je vais vous déplier la toile. Oh, 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 elle est trop canon. Je la voulais trop, celle-là. Alors, allez, j'ai plus de place. Je pousse comme ça, voilà. Parce que je ne pouvais plus sortir. Voilà, le petit bijou. C'est Chat Fleuri de Laure Felipon. Alors, bien évidemment, c'est une artiste que j'adore. Et ce chat est trop, trop, trop beau. Je trouve vraiment... en fait, j'adore cette toile parce qu'il n'y a pas de fond uni. Il va y avoir pas mal de confettis, je pense, à faire. Ça va être sublime. Il faut savoir que je l'ai aussi en point de croix. Je l'avais commencé en point de croix parce que le jour où j'ai commandé mon point de croix, en fait, je voulais la prendre en toile. Mais elle était en rupture. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je la prends en point de croix. Mais voilà, le point de croix, c'est pas ce que je fais le plus. Donc forcément, voilà, j'avance pas des masses. Et je me suis dit que de toute façon, je la prendrai quand même en diamant painting. Donc je suis super contente qu'on me l'ait proposé en partenariat. Elle est absolument sublime. J'adore les couleurs, j'adore tout, tout, tout sur cette toile. Déjà, bon, ben, vous savez que j'adore les chats, les couleurs sont magnifiques. Et puis ça va être du confetti, comme j'adore. C'est du confetti partout, il n'y a vraiment pas de zone de toute la même couleur. Et ça, je kiffe, je kiffe. Je trouve que ça donne plus de boulot, mais c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Voilà, que de tout le temps poser la même couleur. Je l'aime trop. Alors, on va regarder où sont les AB. Où sont les AB? Avec leur diamant plein de charme.
Chiant. Chiant. Alors, forcément, le 5200, on va le placer un peu dans les ailes du chat. C'est bizarre comme phrase, dans les ailes du chat. Les chats n'ont pas d'ailes, mais celui-ci en a. Le 995, il va être éparpillé apparemment. Ah si, il y en aura dans les ombres. Dans les ombres là, par exemple. Là, je sais même pas c'est quoi, est-ce une patte? J'arrive pas à bien avoir. Oui, ça doit être... Oui, c'est une patoune arrière, je crois. Même si je ne vous montre pas, voilà, une petite patoune arrière. Il y en a un peu ici, il va y en avoir dans le bas ici aussi. Ouais, ça va être un peu éparpillé, ça va être très sympa. Après, les haches, c'est le 211, donc les haches, ils sont où? Ouais, les haches, c'est pareil, il va y en avoir un peu là... un petit peu là aussi dans les... Ah non, même pas. Si, un petit peu là aussi dans les pétales. Donc vraiment, ça va mettre en lumière certaines zones, comme on aime. Et le E, bah, c'est pareil. Le E, il va agrémenter un petit peu en fond. Ça va être pigmenté. Il y en a un petit peu partout de pigmenté dans le fond, en fait. Voilà. Donc, je suis super contente. Depuis le temps que je la voulais, celle-là, elle est trop belle. Oh, je l'aime trop. Non, mais vraiment, je l'aime trop, quoi. Ça, ce serait une belle toile à faire pour un concours du printemps sur Diamond Painting en pagaille. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Avec des fleurs comme ça. Trop beau. J'adore. Voilà. Voilou. Et donc, la feuille de route. La feuille de route, je voulais vous la montrer parce que regardez, elle est argentée. Elle est trop belle. Oh, j'adore. C'est magnifique. Donc, le chat qui est sublime. Il est magnifique. Donc, regardez, sur ce fond argenté, c'est trop beau. Et puis, nos petites étiquettes absolument, absolument indispensables. Mais ça, c'est vraiment le pied. C'est vraiment le pied parce que ça gagne un temps fou, quoi. Parce que sur d'autres toiles qui proviennent pas de chez Oraloa, je dois moi-même faire mes étiquettes et je vous avoue que c'est chiant, voilà. Donc ça c'est un gain de temps et en plus c'est beau. Voilà, vous collez ça sur vos boîtes, ça brille. Là, avant c'était blanc, mais maintenant ça invente et c'est encore mieux. C'est magnifique. Voilà, que dire de plus sur cette toile, mes petits licornes, à part que je suis contente comme d'hab. De toute façon, à chaque fois que j'ouvre une toile, je vais pas vous dire ouais, c'est lolo. Non, c'est rare, ça n'arrive jamais d'ailleurs. Donc voilà, donc vraiment, j'ai trop hâte de la faire. Je sais, je l'ai déjà vu fini, j'ai déjà vu voilà en point de croix fini aussi. Enfin bon, donc je sais ce qu'elle donne, je sais que de toute façon elle va être trop belle, mais vraiment, tout ce confetti là, j'adore trop. Ah, si, il y a une grosse zone là. Ah, voilà, je crois bien que c'est la plus grosse zone que j'ai ici là. Ici, c'est une grosse zone. Voilà, je crois bien que c'est la plus grosse zone de toute la même couleur que j'ai. Si, peut-être dans le visage du chat aussi, il y a des grosses zones. Mais franchement, ce que j'aime pas, je vous l'ai dit, c'est les fonds unis. Voilà, ça c'est vraiment trop chiant. Là, je vais vraiment m'amuser sur celle-là, je vous le dis. Hein. J'ai trop hâte de la faire. Alors, j'ai été distraite par un oiseau sur ma terrasse. Vous avez vu comment j'ai papillonné là en 2 secondes, j'ai fait comme ça. Mais je papillonne beaucoup. Mes petites licornes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai été super contente de partager ce dimanche 14 juillet avec vous. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager, etc. Ça fait toujours plaisir. Même si j'arrive pas à lire tout le temps vos commentaires en temps et en heure, je prends toujours le temps à un moment donné pour y répondre. Et je vous remercie d'ailleurs de passer du temps à regarder mes vidéos et à commenter justement pour avoir de l'interaction, parce que c'est aussi le but d'échanger, bien évidemment. Toujours, je vous rappelle qu'il y a mes autres réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, etc., sur lesquels je vais mettre des vidéos, des photos que vous ne verrez pas, bien évidemment, sur YouTube. Et puis, bien sûr, mon groupe Facebook également, groupe Facebook Diamond Painting en pagaille, sur lequel j'organise régulièrement des concours et des choses comme ça. Et puis, ma page Facebook Mélisse Diamond Painting et compagnie, sur laquelle je vous partage les infos, les petites actus de Mélise. Voilà. Bien évidemment, mes petites licornes, comme toujours avant de se quitter, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.